moi qui se concentre. C'est la première fois qu'il va faire plus de 30 mètres. Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est à Annecy pour une raison bien particulière, c'est que Romain il a décidé de battre son record de gainer. Mon objectif aujourd'hui c'est de passer la mythique barre des 30 mètres. Vraiment un moment que j'ai envie de la passer, cette barre fatidique. J'ai vu tellement de sauts et j'ai envie de faire tellement de sauts au-dessus de 30 mètres qui sont vraiment magnifiques. Et je me dis, un moment, il faut bien la passer, cette barre. J'ai l'impression que le 30 mètres, c'est le nouveau 20 mètres de genre il y a pas longtemps, tu vois. Récemment, Alex Benz, là, qui fait des dingueries, il fait des triples à 30 mètres. Louis Flips, il fait des 30 mètres tous les jours. Et là, il y a Romain qui va passer la barre des 30 mètres. Enfin, j'espère. Je sens que là, je me sens prêt. Genre, j'ai fait plusieurs fois 27 mètres. Et au final, c'est pas une hauteur que j'ai en routine maintenant, mais je me dis... Maintenant, plus de 25, c'est tranquille. Donc là, faut passer à la barre du dessus et faut passer à plus 30. Hein. Elle est mythique, cette barre. Hein. Faut la passer un jour. Moi, je me souviens quand je me suis intéressé au cliff diving, il y a genre, je sais pas, peut-être 10 ans. Ça commence à remonter. C'était que les Américains qui envoyaient du lourd et genre, on voyait leurs vidéos YouTube, on voyait Chase Rainford, Adrénaline Addiction et tout, qui s'envoyaient. On voyait Nick Coulter, on voyait toute cette commu-là. Et au final, en Europe, s'il y avait Reed, qui balançait du lourd, mais il n'y avait pas forcément beaucoup de gens qui se balourdaient au-dessus de 25-30. Et là, depuis quelques temps, franchement, en Europe, ça a évolué de fou. Et le fait d'être témoin de ça, c'est assez incroyable. Mais on a trop hâte d'être au Gainer Tour là pour revoir un peu tout le monde. Bon, on devrait pas tarder à arriver au spot. Ça fait genre une petite demi-heure qu'on marche. J'aime trop ce moment où on découvre un peu le spot. Genre il y a un côté agréable où il y a des gens qui donnent le spot directement et du coup tu sais exactement par où passer. Et il y a aussi un côté satisfaisant à découvrir le spot toi-même. C'est exactement ça. On a trouvé un boss du spot là. Comment tu t'appelles? Loris. Loris. Et let's go. On a trouvé un guide. Là il y a un 21 tranquille et un 14 tranquille. Ok. Ah il est très bien celui-là. Il est bien. Bonjour, ça va? Bonjour. Ça check. Ça fait un peu moins de 13 du coup. Voilà, premier saut de la journée. On va commencer la progression tranquille. On commence à 12 mètres. Le spot en plus il est parfait. 3, 2, 1, let's go. Passer le 12 mètres, en vrai ça s'est passé nickel. Si vous voulez vraiment progresser et prendre de plus en plus de hauteur, le truc est hyper important, c'est vraiment genre en faire plein à un niveau où on se sent très à l'aise. C'est à dire que moi je me sens très à l'aise à 15, donc en fait j'ai aucun problème. Dès que j'arrive à un spot à 15, en fait je me dis ok, c'est bon, je peux faire un gainer. Donc il faut vraiment s'habituer à faire ça et vraiment s'entraîner à prendre des impacts. Et en fait, au fur et à mesure, notre corps il commence à s'habituer et c'est après qu'on peut commencer à monter les paliers. Mais c'est hyper important d'y aller vraiment crescendo, de surtout pas griller les étapes parce que en fait, la vitesse de rotation qu'on va donner, elle change vraiment un tout petit peu entre chaque palier. Et si on grille des paliers, le problème c'est qu'on ne va pas connaître la vitesse de rotation qu'il va falloir mettre. Et là, c'est le moment où on peut se blesser et c'est le moment où on peut faire un gros plat en bas. Mais surtout, il faut faire les choses bien crescendo. Du coup là je pense que je vais aller sur le spot qui est un petit peu plus haut. Je pense que ça fait 15, je vais aller mesurer ça. Oui c'est vrai. Il y a combien? Il y a 17m50. Bon là du coup j'ai fait le 17 et tout de suite on sent un petit peu plus qu'il y a du airtime et tout ça, faut un peu plus se laisser porter. Mais du coup c'est hyper agréable parce qu'il y a vachement cette sensation où en fait on est en l'air, on flotte. Et moi ce que j'essaye de faire le plus possible c'est de partir, de fixer l'horizon. Et en fait je sens que je tombe petit à petit et après je casse au niveau de la tête. Et j'essaye d'avoir le plus rapidement possible un visuel avec l'eau. Parce qu'en fait c'est ça qu'il faut vraiment se dire que c'est hyper important, c'est... Il faut surtout pas perdre de visuel. Et ouais, c'est à partir de
de 15-17 mètres qu'il va falloir commencer à vraiment bien doser au départ et après savoir ajuster en l'air, ramener un petit peu plus fort au niveau des abdos ou alors justement se laisser un petit peu plus porter si j'ai trop envoyé. Et le mieux en fait c'est vraiment quand tu arrives près de l'eau, le mieux c'est d'être un petit peu juste et de ramener les jambes. Comme ça en fait tu viens casser ton corps et t'arrives bien droit. Après, je suis pas un professionnel, hein. Je suis pas un mec qui fait du plongeon en compétition et tout ça, mais moi c'est la méthode que j'ai pour justement rentrer le mieux possible dans l'eau. Je viens de faire le 21 mètres là. Ouah, c'était incroyable. Franchement, j'ai vraiment senti la sensation de flotter en l'air, ce moment de liberté qui est vraiment abusé. Juste avant de sauter, en fait, t'as vraiment la sensation qu'il y a plein de trucs, t'analyses tout, tu regardes tout ce qui se passe, tu regardes l'eau, tu regardes tes pieds, le take-off, tu t'essayes un petit peu d'analyser tout. Et le moment où tu pars, le moment où tes pieds ils se décollent du sol, t'entends plus rien. En fait, il n'y a plus rien autour de toi, tellement concentré sur un seul truc que genre ça passe super vite. Il n'y a plus rien, t'entends plus rien. Et c'est hyper agréable comme sensation. Donc je me dis, si j'ai déjà ça à 20 mètres, mais à 30 mètres, mais je vais péter un plomb, ça va être incroyable. C'est super important. À l'arrivée dans l'eau, il faut que tu sois super gainé. Même encore dans l'eau, en fait, il faut continuer à être gainé. Parce qu'en fait, si tu te relâches avant que ton corps ait complètement ralenti, bah c'est là où tu peux te faire mal, où ton dos il va se tordre, tes genoux ils vont remonter. Parce qu'on arrive vite au final hein, dans l'eau, je sais plus à combien de kilomètres heure on arrive. Donc il faut être concentré du début à la fin. C'est même pas 3 secondes en soi, c'est super court. Donc il faut quand même être super concentré pendant ces 3 secondes là. Faut se dire qu'au final tu joues un petit peu ta vie hein, là-dessus. Si t'atterris mal au-dessus de 15 mètres, ça peut très mal se passer. D'où l'importance d'avoir des safety. Sauter toujours avec quelqu'un dans l'eau. Parce que sinon c'est là où il peut y avoir des blessés et c'est là où ça peut être dangereux. Maintenant que Romain il a fait sa progression jusqu'à 21 mètres de gainer là, et bah demain il va pouvoir faire 30 mètres je pense, mais avant ça il y a des abonnés qu'on a rencontrés sur le spot, Denis et Loïs, qui doivent faire double A à 10 mètres. Donc moi je les suis un peu dans leur quête et là c'est le moment, ils vont envoyer là, ça part, c'est lent, on est sur un 10 mètres. Je vais essayer de lancer avant eux, de leur expliquer et après ils vont se chauffer. On verra. Premier salto, deuxième salto, atterrissage. 3 2 1. Ouais, tu lances fort de ouf quand même hein. Ça fait combien de temps que tu veux faire ça? Ça fait un an. On est venu l'année dernière, on s'est dit que ça passait. Maintenant, ben, faut assumer. Ok, c'est Denis qui ouvre le bal. Ouais. Faut faire comme si tu faisais un bac de 1 mètre et après tout se déroule. Parce qu'au pire, tu vas pouvoir un peu freiner. Allez, Denis, t'envoies bien fort et tu spots. Oh oui. Ah, c'est pas mal. Oh, ils sont chauds. Fais confiance hein, mais... C'est juste, si t'envoies fort, faut pas que tu groupes quoi. Trois, deux, un, c'est net. Allez encore. Oh. Yes. Bon bah voilà. Wouhou. C'est leur premier double A. Let's go. Bravo les boys! T'étais mieux ouais! C'est énorme de faire progresser des gens là, ça fait vraiment du bien. Ton premier double A, c'est quand même un moment important. Voilà, on s'est bien amusé sur ce spot. Et donc on est en direction du spot où il y a un 30 mètres. On va aller voir ça, peut-être que Romain il va le faire. Peut-être qu'il le fera demain, on ne sait pas trop encore. Au moins il pourra aller le voir, le visualiser. Et comme ça, si jamais il ne le fait pas aujourd'hui, ce sera plus simple de l'envoyer demain. Donc si vous voulez savoir où sont tous nos spots de cliff, et bien on a créé une map, c'est à vendre sur notre site. Le lien, il est en description. Oh là 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 là, mais ce spot a l'air tellement beau. Difficile d'accès, mais beau. C'est combien? Ouais, 17 mètres déjà. Ça va se jeter, hein. C'est bien 17 mètres là. Franchement, c'est parfait. Après, le soleil il va de plus en plus nous cacher le spot, mais c'est pas grave. Oh, j'ai super peur, alors il faut me donner un peu d'encouragement. Allez, 3, 2.
fait peur. Hein. Je m'attendais pas à faire ça. Je voulais descendre un peu plus bas pour faire un petit saut de chauffe. J'ai fait un grand écart, là je suis bien chauffé. Bon là ça fait plaisir. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait un gainer à 17 et ça s'est trop bien passé. Du coup ça promet pour l'été là, je pense que je vais réussir à monter un peu mon gainer. Ça fait plaisir. Romain il est parti mesurer un autre saut, je crois que c'est un 30 mètres. Regardez comme il est tout petit, il est là là. Vous voyez? Vas-y, vas-y! Non, non, encore! Ouais, bah c'est 30,5 quoi. Je suis sur le spot, je viens de le mesurer. Ça fait 30,50. Donc c'est. Bah ça y est, la barre des 30 elle est passée. Mais le spot il m'inspire vraiment beaucoup. Genre franchement, la plate où je suis elle est parfaite. T'es chaud d'aller en dessous pour splash. Putain, je crois qu'il va partir. Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai envie de monter à plus 30. Et le plus 30, il est juste là, là. Mais ça me met la pression quand même, parce que 30, c'est gros. Ça fait très très gros, 30 mètres. Il commence à faire un peu sombre là pour faire un gros saut comme ça. Du coup, Romain, il a décidé de pas le lancer tout de suite. Et puis, je pense qu'on va revenir demain ou après-demain. T'entends le beat, là? Ouais. Allez, lance quelque chose. Si Dieu veut toujours droit devant, nous irons jusqu'à San Francisco. L'ambiance est décontractée, Romain chante, alors qu'il va prendre un impact à quasiment 100 km à l'heure. Il stresse jamais de toute façon. Salut les gars. Ça va? Ouais. Salut. Salut mec. On regarde tous vos vidéos. C'est quoi vos prénoms? Moi c'est Arthur. Oh putain. Ça fait du bien. Oh bah oui. Ah ouais. La vidéo que je préfère c'est quand vous avez monté sur le toit d'une piscine et vous avez sauté où il y avait plein d'enfants qui vous suivaient. Ah ouais. La tour du diable. Le pont du diable. Voilà. Le pont du diable à 18 mètres. Ah ouais. Bah là il va faire un 30 mètres là. Ah ouais, ouais. Ouais. Là-bas. Ah oui, la montagne là-bas. Ouais. Ouais. Roc de Cher. Voilà, c'est le moment. On arrive bientôt sur le spot. On va mettre les paddles à l'eau et puis on va terminer en paddle. On va passer par l'eau cette fois-ci parce que ça a l'air quand même bien plus facile que la marche. Du coup je reviens du 21, bon, j'ai fait un petit 21 pour m'échauffer et là je me dis c'est le moment, donc je vais faire la grimpe qui est un petit peu sketchy. Je vais rejoindre Flo parce que Flo il était déjà en haut. Allez, let's go. Oh, je suis en pleine brousse là pour monter, c'est abusé. L'accès il est pas évident. Ouh. Bon ça y est, je viens de terminer la petite grimpe.
Je vois le départ du 30. Flo, il est en place. Ça va se préparer, puis ça va y aller. Hein. Là, ce qui fait vraiment peur, c'est le saut. Il faut que je me prépare. Et puis en bas, je vais me gainer comme je ne me suis jamais gainé. Et ça va le faire. Hein. Normalement, ça devrait aller. C'est que 3 mètres de plus que mon record. Donc là, ça va. C'est juste c'est la barre fatidique des 30. Quoi. C'est la fameuse barre que je veux absolument passer dans ma life. Et là, c'est le moment. Hein. Let's go! Il allait profond! Oh, ouais, un petit peu, mais ça va, il a tout ralenti. Oh, oh mec! Oh, c'est incroyable! Oh là, c'est le moment où la pression elle redescend là et. Oh le délire, 30 mètres quoi! Ça y est, j'ai passé la barre! Surtout en gainer, gros! C'est un truc de malade, gros! Ça fait quoi de voir ça en vrai? C'est une dinguerie, vous êtes des psychopathes les gars. Je comprends pas comment c'est possible. Ouais, c'est un truc de fou. L'airtime là. Oh la vache. Putain le gros. Putain ça y est hein. 30 mètres. Mon record c'était 27. Et là genre je pense l'espace entre les deux, les 3 mètres qui me restaient à descendre, j'ai senti une accélération. De baiser. Mais de malade. Genre, je sentais genre ma peau qui faisait genre. Non. J'étais genre. Et pa. Et l'impact, mais genre rien. Genre au niveau de l'impact, je suis arrivé dans l'eau. Et genre, je me suis dit putain, ça y est, genre c'est fini. J'ai vu l'eau tout le long. J'étais là genre, oh ça va vite. Et t'as pas eu un moment où genre t'es à quasi 30 mètres et tu tires la tête, tu vois l'eau et tu fais. Ah ouais, oh. Bah y a le moment ouais où genre tu te dis, oh c'est haut, oh c'est haut. Mais oh, c'était incroyable. Wow. Je t'ai vu faire une énorme. Oh le parachute. T'as vu ton ombre sur la falaise? C'est fou en vrai. C'est fou gros. D'ailleurs il y a un restock sur le site. Ça y fait. Elle a raison, elle a raison. On a restock les t-shirts Good, donc si jamais vous voulez nous soutenir, continuez à avoir des projets comme ça qui font trop kiffer. Le lien il est dans la description les gars. Oh là là mec, t'es tellement chaud. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, on espère que vous avez kiffé. Romain et la scène à 30 mètres, c'est trop stylé, ça fait vraiment plaisir. On se retrouve dans 2 semaines sur YouTube et dans 1 semaine sur Rejoindre. Allez, ciao!